créature Gollum est attirée par le spectre, qu'elle appelle maître de lumière. Vos destins semblent liés. Alors, juste quelques mots, mais tu doutes de ce qu'on a fait. Méchant dessus, tu l'es. Le maître de lumière va nous conduire au passé aussi. Lui montrer nos récompenses. J'espère que le temps va bientôt. Là-haut. Le premier, je l'ai pas tué avec un tir à la tête ? Sérieux ? Mais voilà l'affecteur de sournois. Le rôdeur impuyant, rôdeur impuant. Il nous blesse, nous vole comme les saquets. Oui, les saquets. Il nous montrera, on le prendra, il le volera. Non, on le lui prendra. Oui, on le prendra. Oh, le joli caillou tranchant. Mais pas de mal. Joli caillou tranchant. Montre-nous, maître de lumière. Ton ami a l'air pressé de nous conduire au devant du danger. Des informations sur mon passé valent tous les risques.
C'est un bien joli cadeau. Bien joli cadeau. Mais où se trouve le précieux? Espèce de voleur! Viens ici! Relâche-le! Pourquoi court-on après ces rêves? Ils ne font que nous apporter de nouvelles questions! Ce sont bien plus que des rêves. À chacune de ces visions, mon pouvoir grandit. Le maître se charge de veiller sur nous. Occasion. Il n'a aucun amour pour le Seigneur des Ténèbres. Cette créature a un rôle à jouer dans le destin de toute la Terre du Milieu. Je le sens. Ok. Donc, éclair spectral. Ça, on l'a débloqué. Il nous faut encore 462. Ah, mais ça y est, on a débloqué ça. On a quoi alors? Réduit le temps nécessaire pour effectuer une exécution au sol. Ah, bien. Ça, c'est pas mal. Plonger sur un ennemi vous permet désormais de l'étourdir. Ouais. Améliore le lancer de dague pour vous permettre un lancer 3 à la suite. Améliore les attaques rapides. D'accord. Ah, c'est pour casser les boucliers. On a quoi là? Les victimes de drainage et de meurtre par rafale explosent en faisant reculer les ennemis. Une fois le compteur de coups chargé, appuyez sur C pour drainer un Uruk, ce qui permet de récupérer les tirs d'elfes et de le terrifier. Alors déjà, je vais prendre ça. Pour les boucliers, je vais le prendre aussi.
Ok. Donc on peut faire un drainage comme ça. Là, je peux rien faire. Mission principale. On est à 33,7%. Ça va, hein? Là, on n'a rien de plus. Au niveau de l'arc. Ouais, en chevauchant des mobs pour l'instant. Je suis pas fan du gameplay. Donc ça veut dire que ça nous a débloqué quelques trucs supplémentaires. Donc là il y a la nouvelle quête de Gollum. Ça c'est le chef de guerre. On a des renseignements pas très loin. Il faut que je tue 3 chauves-souris. Ah mais je sais où il y en a des chauves-souris. Il y en a ici. Ah, ça c'est les ghouls, ça. Ok, donc maintenant il y a des ghouls. Je me disais aussi, il n'y avait pas assez d'ennemis. Putain, mais je suis carrément encerclé. Merci beaucoup, Rodeur. Bonne nuit, The Reaper. Ok. On va se remettre la santé. Normalement, il y avait des chauves-souris ici.
Merde. Elles sont parties pendant que j'affrontais l'autre abruti. Non, il n'y en a plus. Fort dommage, ça. Fort dommage. Mais si, c'est dans... C'est une ville... Je vais voir pour l'arc. Pour les défis de survie, il faut que je finisse plus de quêtes principales. Merde. Donc là, c'est un chef de guerre. Là, c'est un chef de guerre. Et là, c'est deux chefs de guerre. Tuant ses partisans depuis les ombres. J'ai envie de tenter. C'est lequel ? Pouvoir 16. Alors on va peut-être pas le faire tout de suite. Lui c'est un capitaine. Alors on a éliminé quand même pas mal hein. Alors je me demande si je le tue lui, est-ce qu'il y a, il y en a qui vont compléter ça? Ouais je pense que oui hein. Interrompez la chasse de la bête pour affaiblir l'armée de Sauron. Ouais, craquette. C'est dès que je meurs, ça part en couille. Interrompez l'épreuve. Celui-là peut-être ? Alors lui, c'est le gardien. Donc, ça va faire preuve. Un défi public mortel. S'ils survivent et qu'ils ne s'enfuient pas, ils accroissent leur pouvoir. Interrompez l'épreuve pour affaiblir l'armée de Sauron. Ouvre la cage! Il faut que je me batte! Tout de suite!
Ok. Bon, ça repop un petit peu moins là. Hein. Ça repop un petit peu moins. On est juste à côté. Alors j'ai le règne de la terreur 11. Oh merde. Si vous voulez mon avis, on ne fait pas grand-chose ici à Auto. Le capitaine devrait nous envoyer à Nourne. Il se passe toujours quelque chose là-bas. Lartbag. Content qu'on ait fait la peur. J'ai vu un capitaine de Lourdes ici, il y a quelques jours. Non, je veux pas aller là-bas, ça m'empêche de poisson. Ça marche pas, je suis trop concentré, monsieur Rudnir. Alors, par contre... je connais pas ses faiblesses. Salaud, hein. Oh, le salaud.
Faut que je fasse la place. Utiliser de la tyrolienne, non. Yes. Ok, donc ça c'est fait. Il y a quelqu'un qui rôde dans le coin ? Il est délicat. Celui-là c'est fait. Alors celui-là il est juste à côté. Celui-là, il fait 11, 11, 12. Donc celui-là, ça serait le mieux à faire, je pense. Je vais tenter celui-là. Alors du coup... amélioration. Attribut. Ah, ici. Concentration. Un petit peu plus de concentration. 402. C'est la même.
On a quoi? Là, j'en ai pas beaucoup. Et au niveau de l'épée, je commence à en avoir pas mal. Alors ça, c'est des épiques. On nous en fait 100 déjà. Donc du coup, c'est celui-là, le recrutement, qu'il faudrait que j'essaye de faire. Interrompi l'approvisionnement en nouvelle recrue du Seigneur des Ténèbres. Les flèches de ses ennemis assombrissaient le ciel et il se déplaça pour éliminer les archers et libéra la voie pour les forces. Je vais faire celui-là d'abord. Ah, pourtant je me suis lavé, hein. Ok, empêcher le recrutement des nouveaux partisans et affaiblir les mythes seront intimides les plus faibles pour qu'ils deviennent leurs partisans. Si le capitaine réussit, il accroît son pouvoir. Donc il faut que je tue le capitaine. Alors c'est lui que j'ai empêché en plus l'exécution. On va voir s'il est sensible aux flèches, je sais pas. Ou je vous écrase le museau. Laisse-moi tranquille. Ok. Donc si je veux le buter, il faut que j'aille dans la ville. Lui, il est pas très loin. J'en profite parce que j'ai l'impression que ça repop beaucoup moins là. Alors j'aurais pu le buter finalement.
J'ai plus de flèches. Lui. Peur des Grog. Dégâts par explosion. Ok. Donc pas de furtivité, pas d'attaque à distance. On peut pas l'attaquer par le plongeon. On peut pas le... Ah non, il peut vous changer brusquement, changer de place, blocage, récupère rapidement sa, de la santé à un groupe de partisans. C'est fait, donc on a celui-là, la confrontation qu'on pourrait faire. J'ai toujours pas trouvé mes chauves-souris, moi. Oh. On va aller là-bas. Chauve-souris. Il s'est bien fait rouler, ça oui.
Et qu'est-ce qu'on obtient? Une autre guerre! Plus de taxes! Ha! Des sacrifices humains sur la Grand Place! On entend crier, de jour comme de nuit, et on est censé vénérer cette... cette chose hideuse! Le grand arbre, c'est du petit bois! Le roi se fait abreuver de sottises par son... son conseiller, le merveilleux enchaîné, Sauron! Ou devrais-je dire le prince Sauron? Elendel a raison! Numénor est perdu, et les navires ne pourront nous éloigner assez vite de ce charnier! Morgoth, le premier seigneur des ténèbres de la Terre du Milieu. Le grand ennemi, Sauron était son serviteur loyal jusqu'à la fin et au-delà. Cet épisode se termine, merci de l'avoir visionné. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me fera plaisir, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt.